Non, non. Non, se réveiller, oui. Oh, dommage. Allez. Du coup, rebonjour la vidéo. Démarrage chaotique. Où je fais pas ce que je pense faire. C'est pas grave. On va finir ça. Ça me fera un peu de... Un peu de pierre. Donc je suis... Enfin là, j'enchaîne en fait par rapport à l'épisode précédent. Donc si vous savez pas où j'en suis... regarder l'épisode précédent, où est-ce que j'en étais, l'émission, tout ça. Pour résumer rapidement ce qu'on a fait, par contre, on a réussi à trouver des zombies grâce à Benny Hill dans le chat. Et on a commencé à faire travailler un zombie dans la mine, qui est censé nous ramener du fer, et un zombie dans le... dans la scierie qu'on a pu construire. J'ai oublié de regarder pour faire l'autre plan de travail, ça sera plus pratique. Voilà. Donc un zombie dans la scierie, donc j'allais y arriver, mais on y retournera très vite. Du coup coupe du bois, l'un qui va me ramener du fer, l'autre qui va me ramener du bois. J'ai des stations de porteurs, donc je sais pas trop encore qu'est-ce que ça va faire. Oui, c'est là. S'il faut que j'assigne certains zombies à faire juste du transport, là, la station de porteur. Donc pour le moment, je vais juste vouloir 4 dos, 4 clous. Voilà. Mais je pourrais prendre beaucoup plus de dos et ce serait pas gênant. On va faire 4 dos. Non, 8 dos, 8 clous et 5 pièces de fer simple. Comme ça, on a aussi une malle. Et comme ça, on peut stocker au moins les outils un peu plus simples. Enfin, certaines pièces un peu simples comme ça. Voilà. Donc 8 dos, 8 clous et 5 pièces de fer simple. Voilà. Et du coup, on est de retour pour ce nouvel épisode. Donc là, par contre, récupérer des vrais matériaux, ils ont l'air plus lents que pour juste faire de la transformation. En même temps, c'est aussi quelque chose qui me pompe beaucoup d'énergie quand c'est moi qui essaie de le faire. Donc ça me paraît logique. Et je suis toujours en train d'espérer... récupérer 10 abeilles. C'est peut-être que de nuit que j'ai une chance de les avoir aussi. Ça, j'ai pas trop fait gaffe. Donc on a dit 8 d'os. Là, on en a 2. Ah, c'est 6. 12. Ah bah, si on a eu 12, ça va. Si j'en ai 12, j'en voulais 8. 8 d'os. 8 clous. Et 5 pièces de fer simple. Et je me rends compte que j'aurais peut-être pas assez de fer. Ah, la ressource insuffisante. Alors, je n'ai pas de lingot de fer. J'ai pas de minerai de fer. Ou de ferraille suffisant, c'est bien dommage. Il faut 5. Ah, je suis pas loin, hein. Je suis pas loin du tout. Ouais, je peux les garder sur moi parce qu'il y en aura besoin dans tous les cas là-haut. C'est pareil. On va essayer de se récupérer un petit peu de fer rapidement. Est-ce que ça je peux le miner ce truc là ou pas? Non. Okay, différentes pièces de fer complexes. Il faut surtout ramener. Enfin deux pièces de fer.
assez vite. On va tout prendre. Ah, pioche à casser. Et ben voilà. C'est super tout ça. Je suppose que je peux même pas en fabriquer une autre de pioche parce qu'il faut du fer aussi. J'ai tellement utilisé de ressources l'épisode précédent. C'est pas souvent. Mais c'est pas mal. C'est au moins j'ai pas mal avancé aussi dans la gestion. Non, c'est pas là, c'est ici. Ah mais j'ai une pioche 1. Ah. Vu que je l'avais créé pour la mine. Attendez, je vais juste voir les ressources parce que je les avais produits sans faire gaffe. Oui, il faut pas mal de fer pour faire ces outils améliorés. Du coup, je vais équiper plutôt la pioche 1. Ne m'empêche pas de réparer la pioche rouillée. Ah déjà. Voilà. D'ailleurs, je peux peut-être lancer directement quelques lingots de fer. Voilà. Est-ce que je peux en rajouter comme ça? Non, je peux pas, on est d'accord. Dormir, c'est pas une mauvaise idée là tout de suite, vu que j'ai rien pour faire accélérer le temps pour le faire cuire et devienne un lingot. Dormir, ça permet de faire accélérer le temps et donc possiblement d'avoir un lingot. Et c'est tout, pas presque plus, pas du tout. Stock de bois, emplacement pour les pierres, d'accord. J'ai pas d'emplacement pour le fer ici. On y retourne. Donc là, on va construire la deuxième mine, même si au final, j'ai pas assez de zombies pour m'en servir de tout ça. Ah, il a déjà fait tout ça comme moi en fait. Ah, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Il y a déjà 4 bûches de bois. Et bon. Donc là, va falloir que je vois les stations de porteurs, tout ça aussi. Je pense que ça, je verrai par contre une prochaine fois. Là, je suis allé un peu trop en diagonale, non ? Là pareil, il a dû en produire masse, mais où est-ce qu'il l'a stocké? Mystère. Voilà, carrière numéro 2. On a dit que je faisais une malle. J'en fais une ici. Un stock de minerai de fer, ça peut être bien aussi. Réserve de pierre. Pierre, ça peut être bien aussi. Je vais couper cet arbre. Voilà. Tout ça de ressources qui est loin de mes stocks habituels, on va dire. Alors. Donc la réserve de pierre, ça peut être pas mal. Pierre surtout m'intéresse. C'est petit, d'accord. Est-ce qu'on peut le mettre là, la réserve? Je suis en train de me demander si je mets. Parce qu'il y a 3 réserves en gros. Il y a la réserve de pierre ici. Après.
après je pourrais mettre la réserve de fer et la réserve de bois, même s'il n'y a pas forcément tout ça. Donc je vais mettre là. Alors là c'est le stock de minerai de fer. La pierre, je sais pas quelle taille ça fait. Et la station de porteur aussi. Ouais. De toute façon je suis obligé vu que j'ai pas de quoi mettre plus. Voilà. Bloc minerai de fer. Et le coupe-pierre. Je vais le coincer dans cet angle ici. Voilà. Voilà. Et ici, on peut transformer les minéraux en... Enfin, les grandes barres en minéraux normaux. Pour le moment, mais si j'y mets les deux, ça sera vachement plus utile. Ah oui, ici c'est la malle. J'étais en train de me demander pourquoi c'était apparu, qu'est-ce qu'il y avait ici. Du coup, je peux peut-être poser, oui, les minerais de fer. Pourquoi pas ça? Non, je crois que les bâtons, par contre, il n'y en aura vraiment pas besoin. Pareil, ça. Voilà, donc on a un espace privilégié pour travailler, pour faire travailler les zombies, les non-morts. Donc maintenant, ce qui serait bien, ce serait de comprendre comment je peux fabriquer des nouveaux non-morts. Le Gunther, il a dit il faut du sang et de la poudre de il ne sait pas trop quoi, je pense que c'est de la poudre d'os ou d'un autre une autre partie d'un corps qu'on a réduit en poudre. La table de résurrection que j'ai déjà de toute façon. Oui, il mine assez vite en fait. Thank you.
Et donc là, c'est deux pièces de fer complexes, deux dos et 10 piquets. Deux dos, 10 piquets, deux complexes. Oui, de toute façon, là, l'inquisiteur, j'aurais pas le temps de lui faire du vin. Donc c'est pas grave. Alors, 10 piquets, 2 dos. Deux pièces de fer complexe. Ça, c'est mon gros souci pour le moment. C'est que j'ai pas assez de fer. Poser des choses, peut-être le miel quand même, le chanvre je peux le poser en bas, je peux peut-être lancer le vin quand même, même si je le... même si je le récolte pas tout de suite, alors du jus de raisin. M'intéresse plutôt, voilà, c'est celui de bonne qualité pour le moment. Oh, je commence à avoir pas mal de citrouilles. Je sais, j'ai des citrouilles argentées. Je sais plus ce qu'il fallait que j'en fasse exactement. Je sais que c'est une histoire avec Cloto. Là. À chaque fois ça change les PNJ, tout ça. Faites pousser une citrouille de qualité argent pour Cloto. Ok, donc faut juste que j'aille la voir avec. Je peux peut-être poser mes choux. Mes carottes, je les garde, d'accord. Ça, je peux les poser. Oh, je vais garder toutes les citrouilles de qualité argent, on verra bien. J'ai oublié de poser le chanvre en bas. Et voilà. J'ai les petits bâtons à poser dehors, mais ça, on pourra le faire tout à l'heure. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui demandent des dos. Donc autant en avoir un petit peu d'avance. Non, j'ai pas eu pièce de fer complexe encore. Faut que je ramasse du fer. En espérant qu'il m'en ait récupéré déjà. Est-ce que je peux le mettre à la livraison en fait? Parce que là. Ah ouais, ok.
Donc là, il va prendre le bois qu'il a déjà coupé et il va me l'emmener jusque chez moi. On dirait. En tout cas, le 6 plus haut. Non, c'était pas aussi haut, c'est pas grave. Une abeille en pleine journée. Ceci était un coin de pêche, comme vous en trouvez d'autres dans le village, le long de la rivière, dans les marais et dans la mer. Quels sont les autres poissons, mais j'ai pas les appâts qui les attirent sur moi. Ah, là c'est un loup de pierre. Oui. Cool. Ouvrir. Je vais récupérer ça du coup. Alors le stock de minerais de fer, j'ai déjà... un réserve de pierre. Ah, il m'en manque. Dommage. Et la station de porteur, d'accord. Ouais, je croyais que j'avais tout ce qu'il me fallait. Tant pis. Je vais poser des trucs. Je sais que l'alibi, j'ai pas besoin de piquer en bois de toute façon. Enfin, si, j'en ai peut-être besoin là-haut. C'est pas grave. Je sais que les pièces de fer simples, j'en ai besoin. Je fais trop de trucs, j'oublie tout. Je devrais mettre des notes sur un calepin. C'est pas grave. Là, ce que je veux, c'est du fer. Voilà. Très bien. Il va me le mettre où, le charbon ? Ah, directement dans la malle, en fait. Oh ! Charbon directement dans la malle. Et là, la station de porteur, ça doit être pour dire et prends la pierre, prends le bois et emmène tout jusqu'à chez moi. Oula. Surtout que si je le perds. Si je perds ce bois juste derrière l'arbre, je le retrouverai jamais, quoi. Je penserais que ce serait un bug le moment où je vais le retrouver. Ah, on va avancer. Je me demande si je peux poser le bois directement au niveau de la scierie. De planches de bois et il me l'aurait directement. J'aurais pu poser deux bois du coup ici, comme ça le zombie aurait fait la fin. Qu'est-ce que je suis mauvais. Voilà. J'ai eu d'abeilles en plus, mais j'ai eu de la cire d'abeille, ce qui est déjà assez rare en soi. Je
juste il rentre à ce niveau-là et c'est bon. Très bien. Du coup... Oh, il y avait un lingot de fer caché. C'est de faire complexe. Donc je... Il me faut une bûche pour faire 6 d'os. C'est où c'est là? Là c'est une bûche pour 6 d'os. Donc oui c'est pareil. À miner les quelques derniers lingots de fer qui sont là-haut. Ça, je... À moins que ça repousse, mais je pense que ça... Il y en avait plus avant. Mais du coup, je n'aurais plus aucun fer par ici et je devrais tous les prendre là-bas au bout. Ah, j'ai plus d'énergie. Il va falloir faire la prédication, tout ça, avant de se coucher. Allez hop. Oula. Hop là, petit lag, je perds 10 PV, c'est super. Les joies du streaming. Il y a un peu plus de lag que d'habitude. Enfin, du streaming ou de l'enregistrement vidéo. Hein. C'est pareil, il y a plus de chances de laguer, de faire un petit peu laguer ton stream ou ton PC quand tu encodes de la vidéo que quand il est juste en train de jouer. C'est un bon poisson à pêcher. Ça, c'est très bien. Alors je pose les ailes de chauve-souris, je crois que je les mets en bas. Ah mais ça... Oh là là. Qu'est-ce que je peux être tête en l'air? Du vin. Ah non, t'as une chance sur deux d'avoir du vin de qualité Arlan. Mais ça, ça se fait tout seul, ok. Donc ça, c'est bon. J'ai quoi? J'ai quoi comme objet? Je l'ai pas posé, mais si, je l'ai posé. L'autre qui est à moitié en train de se faire enlever le sang, qui a une intraveineuse depuis 4 jours au moins, pour lui enlever le sang, mais il est bien, on le laisse comme ça.
Alors toi, ouais non, toi tu veux 4 poissons. Du coup, on va le laisser là, le poisson. Dans la malle, en extérieur, c'est très bien. Je pouvais faire quoi ici déjà? Hôtel en bois, candélabre muraux, confessionnal. Je crois que c'était confessionnal. Forcément superbe, ça on a vu qu'il y a une assez bonne qualité dans l'église. Et comme on l'a vu, superbe sermon, ça veut dire moins de dons. Plus de foi, mais moins de dons. Après, je ne m'en plains pas. Non, j'ai rien. Je vais peut-être refaire un peu de... Regarder les... Je voulais regarder le potager. Allez, je vais finir lui. Ça serait peut-être bien pour lui. La qualité du travail bien fait. Autopsie. Tac. Voilà. Moi, une bonne gorgée de vin. Parce que toi aussi, tu veux du vin de bonne qualité, oui. J'ai tout. Je pourrais lui enlever la peau, mais je n'en suis pas à là. J'ai pas besoin d'autant de peau. Ah, je pourrais prendre du papier. Parce que le papier, il y en a besoin pour le machin de porteur là. Plus de deux, mais les deux, ça va suffire. Autant je me souviens plus de ce qu'il voulait à côté, le ce truc là, mais deux, ça va suffire. D'objets sur moi. Tac tac, voilà. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Parfait. Mais pas assez d'énergie. Alors on retourne se coucher. Et comme d'hab, avant de se coucher, on se vide les poches de tout ce qu'on a qui n'est pas utile. Dans les dos, je préfère les garder, vu qu'il y en a besoin. À l'autre emplacement, j'aurais peut-être pu poser les... C'est celle qui était sur moi qui l'a pris, oui. On va se coucher. Une petite nuit. Je crois qu'il faudrait que je prenne des clous, tout ça.
des clous, des pièces de fer simples, comme ça j'aurai un peu d'avance. Des dos aussi. Tout ce qui est là-haut, ça demande beaucoup de dos et de clous. Donc je vais peut-être en refaire avant d'y aller. Que le zombie ne fasse pas l'aller-retour pour rien. Voilà, on n'oublie pas qu'on peut travailler ici. Que ça nous pompe toute notre énergie. Sérieusement. Voilà. Je peux retourner voir mes vignes ou la maison brûlée qui est juste là, voilà, sans faire de gros détours. Ce sera déjà pas mal. Faut que j'aille voir Cloto aussi. J'ai oublié celle-là. Faut que j'ai des... J'ai des citrouilles. Ah, j'ai oublié de poser la prière. Oh là là. Ah, il m'en manque une de bonne qualité. Je suppose que je pourrais pas la poser. Mais je peux pas. J'ai pas envie de faire une malle tout de suite ici, quoi. On se balade avec un beau bazar sur le dos tout le temps. Hein. Alors, non mais je vois pas trop quoi faire de plus. Hein. Alors ça je pose. J'ai obligé de poser le déchet agricole. Non, c'est pas ici. C'est là. Oui, j'ai du vin rouge de bonne qualité, ça en fait 20. Ça en fait 20. Tout ce qu'il me fallait. Du coup, on peut aller voir Jerry sans passer par l'extérieur. Ça avancera un petit peu les quêtes. Parce que sinon, en deux jours, on aura fait, enfin, en deux vidéos, on aura fait que d'avancer les automatisations pour avoir plus de bois, tout ça, et on n'aura pas avancé vraiment l'histoire, ça commencera à se voir. Mais ça permet aussi d'aller plus vite après. Lui donne du vin. Je ne sens même pas le goût, mais je sens définitivement le manque d'alcool. Non, d'une sarde, je suis sur le point de faire une dépression.
Partir. Ah d'accord. D'accord. Depuis tout ce temps, il voulait qu'on lui donne du vin. Mais c'est tout. Il voulait juste du vin pour avoir du vin, quoi. Oui, c'est vrai que là, je peux faire le choix. Ah oui, la bougie, ça demande du... Ça demande de la cire. Ou de la peinture blanche. Mais je ne sais pas comment on fait de la peinture blanche. Saut de sang, ça, j'en ai besoin un moment. J'en aurais besoin. Je regarde rapidement. Tellement de choses dans ce jeu. C'est pas facile quand on est streamer, qu'on y joue une fois de temps en temps et que... Waouh. Chaque fois j'ai l'impression que j'ai oublié les trois cartes, tellement il y a de... Tellement il y a de possibilités, tellement il y a de choses à savoir, à retenir. Je vais voir Claude tôt, non c'est la nuit, ça ne sert à rien. Et je voulais passer de l'autre côté pour récupérer le zombie qui fait des allers-retours à la Syrie, qui ne sert à rien. Mais il fallait aussi que je passe voir Claude tôt et j'ai pas fait gaffe que c'était la nuit. Charron, oh c'est pas de beaucoup. Alors là je vais poser tout ça, toutes mes doses, voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Alors stock minerai de fer j'ai déjà, réserve de pierre, le coupe pierre j'ai déjà, la station de porteur, bah voilà. Oh, je peux avoir trois stations de porteur. Bah, je vais la mettre à côté du minerai de fer. Feuilles, ça s'appelle papier propre, plus de papier propre. Donc coupe-pierre, j'ai déjà réserve de pierre. Voilà. J'aime pas quand il y a un petit trou comme ça qui reste. De toute façon, où je le mette, à part ici où ça sera peut-être utilisé des deux côtés. Parce qu'en largeur, c'est pareil. Non, mais même en largeur, ça tombe pas. Du coup, je vais le mettre là. Ça, si jamais vraiment je pourrais mettre trois blocs de minerai de fer, station de porteur, ok. Donc je peux ramener 4, ouais, mais il faudra que je ramène 2 clous en plus, 4 feuilles propres et 2 clous en plus. Pas d'énergie, et là je lui dis il peut tout ramener en fait, c'est ça. Je peux lui dire non, pas celui-là, ok. Donc j'ai pas besoin de ramener des stations de porteurs en plus. Enfin, c'est pour que le trajet soit fait plus vite, je suppose, mais pour le moment, c'est pas urgent. Voilà. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va laisser la pierre ici. Ouais, je dors. Je dors d'abord. On dort un petit peu. On boit, évidemment. Je me sens rafraîchi.
Le marchand, par contre, j'ai rien à lui vous dire. Et donc maintenant, je peux ramener la pierre ici. Et si je mets un zombie dans la station de porteur en bas à gauche, il m'emmènera lui-même la pierre jusque chez moi. Si c'est pas magique. Par contre, le fer, ça se mine lentement de ouf. Autant le bois, je croyais que c'était lent, mais en fait, ça allait. Autant le fer, c'est vraiment lent. Oui, je pourrais pêcher quelques dorades. Hop là. Je vais d'abord, voilà, ramener ce bout de bois ici. Je vais faire les allers-retours vu qu'il n'a pas l'air de... vouloir venir avec moi. Genre shooter le tronc d'arbre, il veut pas. Ah mais une fois que je l'ai mis là, je peux pas le ressortir. Ah, et pourquoi les chauves-souris me... apparaissent sur moi comme ça? Non, non, ça par contre c'est pas cool quoi. Je pensais que je pourrais l'enlever de la station de porteur. Je pensais que je pourrais l'enlever de la station de porteur tranquillement, qu'il allait faire du... que je pouvais le faire alterner quoi. Apparemment pas du tout. Bon, très bien. Bah si. Allez. Apparemment pas du tout. Par contre, moi, si je coupe des arbres ici, c'est pas trop grave. C'est un peu plus près d'ailleurs de les mettre ici que de les mettre plus loin. Je viens d'avoir un succès, plein de points rouges. Qu'est-ce que j'ai ? Récolté 1000 points rouges, ils ne pourrissent pas à minuit, donc c'était facile. Ah tiens, il est là le zombie. Qu'est-ce qu'il fait ? Si je le rattrape, peut-être que je peux le ramener à faire autre chose. Non ? Oui! Par contre, il a deux bois. Mais il me sera plus utile à miner du fer. Parce que là, j'ai besoin de pas mal de fer. Et du coup, j'aimerais bien avoir deux mineurs de fer. Même s'ils alternent entre fer et charbon. Enfin, d'autant plus qu'ils alternent entre fer et charbon. Ça fait que le fer est encore plus long à se produire en moyenne. Là, je peux le prendre mais je peux pas le poser. Donc voilà. J'ai envie de voir comment ça se passe. Est-ce que ça passe directement à charbon? Est-ce qu'on voit une animation du... Ouais, ça passe directement à charbon. Et du coup, là, il y a un minerai de fer. D'accord. Au moins, je sais. Why the wood thing is so far? Salut Tokyo Mia. tu parles pas français, tu suis mon stream. You don't speak French and you are following. It's so far because it's an advanced point for the zombies. They work for me and it's yeah. J'en perds mon anglais. Réserve du pierre, stock de minerai de fer. Non, ça, j'ai déjà un de chaque. Faudra juste. Ok.
là il faut quoi? Ok, donc là j'ai plutôt bien avancé. J'ai pas vu le marchand, mais c'est pas grave. Il fait jour, on peut aller voir Clouto. Aidez la sorcière à retrouver la mémoire et faites pousser une citrouille de qualité argent pour Clouto. Donc, le chaudron, donc je sais pas, je me souvenais pas qu'il lui fallait une potion de soin. Il me semble que j'en ai ou que je sais en faire. J'ai beaucoup de coffres là. Par contre, j'ai la citrouille. Parfait! Cette soupe est le plat idéal! Vous serez d'accord avec moi quand vous aurez perdu toutes vos dents. Vous avez développé une nouvelle technologie et obtenu recette soupe au chou, recette soupe à la citrouille et soupe aux légumes. Par contre, j'ai pas amélioré mon amitié avec elle. Pourquoi j'avais pas marqué potion de soin? Pourquoi c'était pas marqué qu'il lui fallait des potions de soin? Forcément, il est revenu tout en haut. Je comprends pas ce jeu là-dessus. Elle est passée où? Clouto. Là. Ouais. C'est l'idée à retrouver la mémoire. Du coup, il n'y avait pas marqué chaudron. Mais. Ouais, dans les marais, il y a du fer exploitable plus facilement que là-haut. Le chaudron. Chaudron. Je crois que je sais pas le faire, le chaudron. Donc, ça fait déjà presque une heure. M'arrêter. Alors, c'est quoi le but du jeu, Tokumiya? Du coup, tu parles français. Le but, c'est on est un gardien de cimetière dans le monde moderne. On se fait renverser par une voiture et on arrive ici dans ce monde médiéval et on aimerait retourner dans notre monde auprès de notre Dulcinée. Vu que tout le monde nous prend pour gardien de cimetière, bah on fait toutes les tâches qu'un gardien de cimetière peut faire. C'est-à-dire enterrer les gens de la ville. On a un jardin là, ici, ou un potager. On s'occupe de l'église aussi, on fait les prédications, tout ça. Hein? Ok. Et du coup, on doit trouver un moyen de rentrer chez nous. L'objectif, c'est ça. Une production de fer correcte. Qu'est-ce que j'ai d'autre sur moi? Non, je vais me vider les poches et sûrement arrêter tout de suite après. Samba.
Graines de citrouille, tanka. Je vais utiliser les certificats d'inhumation. Oui, il y a encore du vin. Je vais arrêter le stream bientôt, j'ai entendu qu'il était une heure chez toi. Oui, je vais arrêter bientôt, mais c'est pas une heure. Si. Non, c'est quelle heure? C'est 20h50. Et j'ai pas mangé. Enfin, j'ai mangé tard, mais j'ai pas mangé le soir. Certificat d'inhumation. C'est ici. Commercer. Je lui vends. La mauvaise qualité. Oui, c'est pas beaucoup plus cher la qualité argent. Voilà. Terminer l'offre. Oula. Mon dieu, oui. Lui demander une histoire. Le bon vin est mon ami. Voici une histoire. Ah d'accord, je peux lui en demander autant que je veux. Kido. Je sais plus combien il en veut. Donc là, en fait, c'est générateur d'histoire infini. Ce qui est plutôt pas mal vu que j'avais un peu... Enfin, je pense que c'est infini, mais c'est pas mal vu que j'avais un peu peur que d'utiliser les histoires, et puis parce que ça a l'air d'être un process un peu compliqué. Ouais, un peu compliqué, quoi, et... Du coup, faire des bouquins, tout ça, ça a l'air d'être pas immédiat. Un vrai streamer ne mange jamais. Ouais, ben si. Il y en a qui mangent devant leurs abonnés, devant leurs followers. C'est pas forcément le cas, mon cas. Commercer. Ah oui, commercer. Tiens, prends-toi tes 13 carottes qui me servent pas à grand chose. Et qui m'encombre. Voilà. Non. C'est ça. Je me trompe de touche. Ouais, c'est mer. Non, ils appellent ça, je sais plus comment là, avec leur nom. Leur nom coréen. Bobongja ou je sais pas quoi là. Je sais plus. Vu que je regarde pas et tout, je veux pas trop m'avancer, mais en tout cas, c'est pas le type de stream que je fais moi. Tac. Ah, non, j'en ai pris 4 alors que j'ai pas de place. Graines de blé. Je vais prendre les champignons. Voilà, on va se coucher.
Voilà. Du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très vite.